Voilà les amis, je vous ai montré mon petit pull sur une autre vidéo et d'autres vidéos encore au début avec plusieurs morceaux de mon pull. Alors je vous avais dit que je crochetais les manches sur la vidéo précédente et je vais vous montrer le point que je fais. Voilà. Donc je pense, comme je vous ai dit tout à l'heure sur l'autre vidéo, que ce sont des demi-brides, donc des brides qui ne sont pas terminées. Voilà. Donc je prends le fil et je pique. Et à la place de faire comme ça, une bride, je fais une demi-bride, des brides pas terminées. Voilà, et je dois encore un tout petit peu travailler sur mon petit pull, ma petite couture, mes petites coutures, vu qu'il y en a plusieurs. Alors moi, j'ai décidé de faire des manches plus larges, un peu comme en évasé, mais avec le, bien sûr, la couture, pour ne pas faire une autre couture de pull et que la couture de manche n'aille pas avec. Donc je fais en fonction du modèle que j'ai construit, si vous comprenez ce que j'explique. Ce que je vous explique, voilà, un petit peu bombé et effacé. Alors la fin des manches, je verrai après ce que je ferai pour terminer. Ce sera peut-être des petites côtes, comme sur le petit col, mais crochetées, je pense, d'une autre manière, parce que je n'ai pas encore décidé la fin de ma petite couture. Voilà. Et alors, il faut toujours que je me dise de bien prendre les deux fils ensemble. Parce que je travaille, les amis, avec deux fils. Ce sont deux bobines ensemble. Alors, vu que j'avais fait une petite faute l'autre fois, j'avais défait. C'est pour ça que mes petites pelotes sont ensemble. Voilà. Thank you.
et je crochète, je passe le temps. Il pleut beaucoup ici. Et voilà, on ne sait pas vraiment sortir. Alors je crochète, comme beaucoup d'entre vous le font. Voilà, et moi j'ai décidé de faire tous des tons de rose, du clair, du fuchsia, du rose très pâle, comme la petite fleur. Voilà. Et vu que tout était en rose, j'ai décidé d'être accompagnée de mon petit flamant rose, rempli de petites fleurs autour de lui. Voilà. Je vous montre encore un peu. Voilà, alors pour compter mes rangs, j'ai mis des petits marqueurs. Et alors j'ai repris une couture sur YouTube. Et moi, j'invente un petit peu mon pull pour ne pas faire tout à fait le même, une partie, mais pas toutes les mêmes coutures. Parce que j'aime bien d'inventer un petit peu aussi les manches, le bas, que j'ai fait un peu plus évasé. Et le col, pas trop serrant, un tout petit peu plus large. Voilà, j'ai fait un peu plus différent de la couture que j'ai reprise. Comme ça, on ne fait pas la même chose. Je ne fais pas la même chose. Aussi, de votre cœur je t'écris, tes mots transis.
Je vous remontre un petit peu la Manche. Que je suis en train de faire. Voilà. Voilà, j'ai fait mon petit pull un peu plus évasé et un col un peu plus haut pour faire un autre modèle de pull. Mais les fleurs sont les mêmes. Et ça, c'est pour les accrocher. Bord. Ici, voilà, et quand les petites fleurs sont accrochées tout autour, il en faut des autres, hein? Je devais encore en avoir deux là pour vous montrer que j'ai fait tout à l'heure sur la précédente vidéo avec vous les amis, et alors une autre, voilà. Et on les accroche toutes ensemble. Et quand toute la petite couture est terminée comme ça, on les coud à la fin. Voilà les amis, et je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Mon pull rose fleuri, plein de petites fleurs. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mon petit pull rose fleuri. Petite rose claire. Voilà, et dans les prochaines vidéos, je vous montrerai le reste. La fin de mon petit pull.
À bientôt les amis, dans de prochaines vidéos. À bientôt les amis, en fleurs.